Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 12 décembre, l'Église célèbre la fête de Marie Notre-Dame de Guadeloupe, sainte patronne des Amériques. Le sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe, près de Mexique, est l'un des lieux de pèlerinage les plus célèbres d'Amérique du Nord. Le 9 décembre 1531, la Vierge Marie est apparue à Juan Diego, un Indien converti, et lui a laissé une image d'elle-même imprimée sur son manteau. Plus tard, l'image a été placée dans un magnifique sanctuaire que les pontifes romains ont ennobli en lui accordant un chapitre de canon pour la splendeur du culte divin. Le sanctuaire devint célèbre pour l'affluence de personnes et la fréquence des miracles, ce qui stimula considérablement la piété de la nation mexicaine à l'égard de la Mère de Dieu. C'est pourquoi l'archevêque de Mexico et les autres évêques de ces régions, ainsi que toutes les classes de la société, l'ont considérée comme leur protectrice la plus puissante dans les calamités publiques et privées et l'ont élue patronne principale du Mexique. La dévotion à Marie sous ce titre n'a cessé de croître et elle est aujourd'hui la patronne des Amériques. En raison des liens étroits avec l'Église du Mexique et celle des États-Unis, cette fête a été inscrite au calendrier américain. Prions. Dieu, dans ta sollicitude et ton amour pour ton peuple, tu as favorisé le nouveau monde avec l'apparition de Marie, Mère de Jésus à Guadeloupe. Aide les pays de ce nouveau monde à vivre les uns avec les autres dans la paix, l'unité et la fraternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre-Dame de la Guadeloupe, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.